Voilà, de retour, on est sur le deuxième épisode de Gogo Hackman 2. Voilà. Hop, là. En train de faire les petits réglages. Alors, il est bien vénère hein, sur le 2. Hein. Notre petit ange. Alors, regardez-moi ça. Notre personnage est en train de jouer à la Super Nintendo. Hein. La Super, ça. La Super Famicom, plutôt. Dans le Japon. Bande Presto présente un jeu de 1995 et ça sera la suite de Gogo Hackman. Il s'appelle Gogo Hackman 2. Voilà. Et on est parti. Donc premier niveau. Le même système. Ouh, oh la télétransportation là. Est-ce que c'est des Saiyans? Ça nous aurait pas surpris. Ça nous aurait pas surpris. C'est des Namek. Jamais c'est des Namek. Donc on est parti hein, sur le même système. Hein. Le même système de jeu. J'oublie. C'est chiant qu'on puisse pas passer les dialogues. Balance des trucs là. Ah, on arrive au bout de la rue. Au bout de la route. Voilà. Eh ben dis donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, la lumière divine. Qu'est-ce que c'est? Oula, le l'ange master. Design, là, le design, ça fait penser à Dabla et Babidi. C'est bizarre. Quoi ça? Genre de rock. Voilà. Ah, je peux tirer. Une phase de shoot. Toujours tirer les bons. On a des chats volants. Ah,
Et mince. Ah, pourtant j'étais bien là. Les chats chauves-souris. Ah donc les bons on peut être. Pratique en les tuant que. Les esquives en fait. Allez, on tient bon. On le bosse ça, non? Ou pas? Ah si. Ah oui. LT. Voilà. Et le rocker. Du tonnerre. Un petit peu plus action. Ils sont très accessibles. Ça. Les ouf. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Chose de fait. Alors, ils sont tous au paradis, dans la petite auréole. Alors, comment est-ce qu'on fait ?
Et ben mince. Et par là, si on arrive ou pas. Heureusement qu'on a la protection. Salut boss. Oh là là. Saleté, je suis obligé de me retaper le... Voilà. Hello Drivendo. Bienvenue, bienvenue. De se faire Gogo Ackman 2. On a fini le premier, on est en train de se taper le deuxième. En mini stream, c'est-à-dire qu'on a encore, on a encore une 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure après. Allez hop, on est parti dans des wagons dans la mine. Oh. Ah, au moment où j'ai sauté à prendre le wagon à l'autre mec. Et voilà. Il faut pas se louper non plus. C'est punitif, hein. C'est des jeux de l'époque. Il y a toujours une dose de Parker, purée. Je prends un wagon quelque part là. Ah, j'ai réussi. J'ai ce wagon là. Pouf. Là c'est idiot, on peut pas le prendre. Le wagon du mec. Tout là. Bon, allez. Nickel, c'est par ici, je crois. Voilà. Oh. Voilà, on est à pied. Alors, sûrement une phase de boss. Ça m'en fout, s'il vous plaît. Oula, c'est une discothèque là. Ah, là on reconnaît robot style Dragon Ball qui avait Pilaf. Déjà un petit design avec le hublot ovale.
Ah, flingue pointée sur sa tête. Fameux chat est revenu. Ah, pourtant on était bien. Hein. Alors faut que je fasse. Je vais essayer de mémoriser. Quand le chat il arrive. Je me barre. Hein. Le chat il devra arriver bientôt. Là, il arrive là. Un autre qui arrive en haut, ok. Là on est re-safe. Voilà, il y en a qui arrivent de temps en temps, mais ça va. Ah, c'est idiot là. Manger du chat. Allez. Bon, on a 3 petites vies. Ça devrait le faire. Ah bah voilà, on a récupéré plein de vie. Alors, on y était presque hein, tout à l'heure. Il y a plus personne. Ouais, parce qu'on arrive sur une île flottante, ok. Donc, là c'est passé. On a trouvé une autre safe place. Bien. Allez. Le boss. Le boss Elvis. Zou. Et on saute. Le bon chemin. Comment le passage où on était? Et un truc. Anticipe. Aïe. Non. Ah. Oui, il est très sympa, hein. Il est très sympa, hein. Il y a un très bon design. C'est un design à la Akira Toriyama, hein. Donc, design à Dragon Ball. On reconnaît que le personnage il ressemble beaucoup à Trunks. Bah non, c'était pas par là. Ouais. Là c'est labyrinthe, hein. Labyrinthique, hein. Je suis pas du tout joué. Je vais même pas si c'est par là. Aïe. Où le passage. Alors, il nous reste encore 5 minutes de live.
Bah oui, forcément. Je pense qu'on va essayer de faire cette phase. Si on n'y arrive pas sur ce coup-là, on prendra la prochaine fois le live. Attends, là il n'y a sûrement pas de passage. Peut-être pas, et on dirait qu'il y a quelque chose. Ça va pas monter. Et... Ah, là il n'y a pas de passage. Oui, il y a un timer, sur tous les levels. Hein. Sur tous les levels, il y a toujours un timer. Toujours un timer dans les levels. Là, c'est impossible à passer. On se prendre le truc dans la face. Alors là, on est détecteur, je pense. Alors je saute, je vais tester. Ouais. Il n'y a rien. Voilà, je sens que je tombe dans les abysses. Quand même pas. C'est pas grave. On restera ici et on continuera après un autre jour.